Nous toujours tendez aux 10 amis faisaient la caillou qui même cause au produit même effet yo. Et c'est situation ça que nous même en Haïti que nous avons plus que 30 ans que nous même n'a vive et sans que nous parler plus loin n'a point et depuis que démocratie soit disant démocratie les même est venu entrer dans pays à côté que n'a vive dans une instabilité politique constante. Côté que l'Assemblée, c'est celle d'un conflit que nous-mêmes nous capables de vivre. L'Assemblée, nous-mêmes, seulement nous là pour nous capables de gérer le conflit. Nous pas capables de venir avec rien, qu'une solution, qu'un problème. Seulement nous là pour nous capables de gérer le conflit. Et tout récemment, le président Jovenel Moïse est venu ensemble avec Jean-Henri Séant et comme étant un monde qui sortit dans l'opposition juste pour capable venir aider le gouverner. Et dans moins que 3 mois, il y a une catégorie de monde qui t'a demandé tête Jean-Henri Séant. Et nous tous nous connaissons que ça a passé et Jean-Henri Séant est venu tomber. Et tout de suite, le président Jovenel Moïse vient choisir Jean-Michel Lapin. Il y a un peu de monde qui t'a dit c'est un bon technicien, c'est capable de faire travail là. Bonjour, aujourd'hui, la crise de l'Alemagne vient empirer, la situation économique, sociale, le pays même vient mangoumer. Kounia a plusieurs secteurs qui ont demandé tête Jean-Michel Lapin, côté qui a demandé supposé gagner un gouvernement de cohabitation qui du préalable nous connaît que mon ODEP Haïti était déjà tapé un gouvernement de cohabitation. Les présidents Jovenel Moïse étaient en processus pour être capable de choisir Jean-Henri Séant. Ça n'est pas été fait et nous connaît tout et mon matin débat tout tapé un gouvernement de cohabitation. Eh bien, actuellement, là, nous connaissons la situation de même niveau de Mangomé, qui est un pile secteur dans la ville nationale qui a demandé un gouvernement de cohabitation. Et actuellement, là, c'est peut-être Michel Lapin qui est un pile mon a demandé. C'est nous capables de suivre, j'en ai pas suivre dans la vidéo, ça, nous avons un président Chambas, là, qui c'est Gary Bordeaux, lui-même tout a prôné un gouvernement de cohabitation et lui demandé pour Jean-Michel Lapin, est capable de démissionner, pour être capable de choisir un premier ministre. Cap sorti dans l'opposition et pour gagner un gouvernement côté que cap gagner et représentation et toute partie politique dans le pays qui c'est un bagage nous pas dit qui impossible mais capable extrêmement difficile. Jean-Michel Lapin un bon parle l'assemblée lui-même réticent il pas appelé démissionner. Nous pas suivre tout ça et dans vidéo ça qui demande nous pour capable suivre avec un peu d'intérêt. Nous bien content qu'il y ait un président Bodo ou positionnons pour qu'il y ait un gouvernement de cohabitation. Ça veut dire pour qu'il soit quoi nécessaire de gouvernement de cohabitation. Bon, normalement et même parce que la constitution est claire, si par exemple aucun parti qui est majoritaire dans le parlement, donc le président choisit le premier ministre en consultation avec les présidents des deux branches de l'Assemblée. Et il faut le dire que les consultations ne sont pas contraignantes. Donc, on doit aller en consultation, le président soumet au liste monétaire avec le premier ministre et il demande comment on voit sa capacité en bas, est-ce qu'on met tel profil et tel monde, je dis, la majorité capable de ratifier et quelles seraient les positions également des parlementaires de la minorité. Donc, c'est un coup où vini son conseil au vin by président. Consultation au pas contraignante. Donc, si pas qu'aucun parti qui arrive majoritaire dans le parlement qui peut faire que le président choisit le premier ministre dans un parti politique qui est majoritaire dans le parlement, donc il est obligé de faire la consultation avec nous. Donc, là, nous avons une consultation. Hein? Donc, le président, pour le passer gouvernement, ça, il est obligé de rentrer dans le dialogue politique. Et le parlement est là. Et il y a un ensemble de partis politiques qui représentent la donne, qui sont dans l'opposition radicale, qui sont dans l'opposition modérée, qui sont indépendants, qui sont proches du pouvoir. Donc, je dis à me penser, la conjoncture politique nous est là, et moi, je dis ça, et il faut que l'opposition, parce que l'opposition, lorsque tu n'es pas au pouvoir, tu es obligé de faire des alliances. L'opposition plurielle, ça, dans l'arrière, tellement fait alliance, journalistes, bon, je ne suis pas un journaliste, animateur radio, parce que les métiers journalistes, ça, l'école, on apprend ça. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle de radio journaliste. Donc, on est capable d'avoir des médicaments, tout, pas forcément médecin. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui, les gens, tellement fait alliance, mais ces dames tellement fait alliance, je veux dire,
c'est difficile pour eux venir sur une table négociation, vous comprenez ça? Parce que l'Oasie, c'est des postes qui font une table bataille, donc c'est pas un pays à régler, etc. Donc il y a un risque pour l'opposition, si on quitte la rue, on vient sur une table négociation, et puis pour eux, on va pas tourner. Donc le risque, ça, est très grand, parce que yo ka pense si yo vin sou table la négociation ou bien discussion yo foire, donc yo pral perdu leadership que yo gagne dans mouvement. C'est la raison pour laquelle ouè on certaine radicalisation. Président Bodo, président Bodo, que veut dire la cohabitation? Oui, s'il vous plaît, c'est ça la question. Oui, on fait relance dans mouvement pour faire pour même la cohabitation dans le contexte politique actuel là, c'est travail avec moun qui pa gen même opinion avant, c'est travail avec moun jodi an k ap vin sou table la et k ap di bon an nou fon gouvernement ensemble pour amener la paix, pour amener le calme, et c'est ce que j'appelle un gouvernement d'exception. Dans contexte politique nou est là, gen des réformes pour faire pour pas dire ces persécutions politiques, pour pas dire et on casser pays, faut qu'on essaye mettre tout le monde ensemble. Je dis à qui est dans l'opposition qui voulait cohabiter avec le pouvoir en place là. Donc, je ne sais pas qu'on est, il a fait consultation, je ne sais pas qu'on a qui est. Mais moi-même, moi, pour on est, moi, le président, je dis ça, moi, pour on est, une sorte de cohabitation, peut-être capable de gagner un premier ministre et qui sorti dans l'opposition. Mais maintenant, est-ce que le président va discuter, parce que pas oublier de l'opposition, il y a plusieurs branches. Donc, qui branche dans l'opposition aujourd'hui, là, sous discute avec ou jouer une entente avec, donc, ou va ramener le calme. Donc, on y a, c'est ok, mais qui position par rapport à maintien ou non et PM Lapin dans le cabinet? Bon, moi-même, bah, c'est Lapin son victime. Lapin est victime d'une société mangeur d'hommes, dont élite rétrograde, dont série de politiciens traditionnels. Et la paix est victime, mais nous choisissons un premier ministre. Et la paix, c'est quelqu'un qui a gravi tout échelon dans l'administration publique. Là, même au nom de la liberté d'expression, il aurait dû avoir une chance pour présenter sa déclaration de politique générale. Maintenant, la paix a été choisie comme premier ministre, désigné ou bien nommé sous nouvelle constitution. Pas de monde qui connaît ça, la paix pensée. Est-ce que la paix avait un projet pour Haïti? Est-ce que la paix pouvait résoudre des problèmes? Ou bien est-ce que c'est un zèle 4 uniquement qui est un proche président? Donc, je dis à même au nom et de la liberté d'expression, on a parlé de démocratie. Ouais, et nous pas même bah, la paix en chance, je dis à, pour présenter une déclaration politique générale. Et probablement, ça a été fini par un vote de non-confiance. Ou bien, nous te cajonnons en tant, etc. Mais quand même, nous te devons bailler Premier ministre dans la chance. Et pour quand même, il te explique à la nation, etc. Donc, moi-même, bah, c'est dans le contexte politique actuel, par rapport à ce que je sais. Donc, que ce soit au niveau, on va parler pour sénateur, mais que ce soit au niveau de bloc majoritaire, bloc minoritaire, à moins qu'il y ait une hypocrisie dans la réalité. Je dis à un moment où nous parlons, il y a un débat qui a fait autour d'un nouveau Premier ministre avec un nouveau gouvernement. Maintenant, est-ce que la paix lui-même le dit, est-ce que la paix va le démissionner? Parce que la paix est tout venu pratiquement un élément incrisable, on dit son élément de blocage. Mais de toute façon, la Constitution a dit lorsque nous nommons un Premier ministre, seul Jean pour retirer. C'est soit le bail démission ou bien pas le manger. Et jeter le bâton. Donc, de ce côté-là, je pense qu'au niveau de l'exécutif, je te prends toute disposition légale et constitutionnelle. Il y a un arrêté qui a été pris, le Premier ministre a été nommé, il y a un gouvernement qui est au Sénat. Maintenant, je dois vivre une non-réalité inédite quant au bon Premier ministre de facto qui était là pratiquement pour 30 jours. Qui t'a supposé, selon l'article 165, en cas d'incapacité dûment constatée ou bien pour raison personnelle, le Premier ministre qui devrait liquider les affaires courantes ou remplacer le par un ministre d'un gouvernement pour 30 jours.
30 jours à écouler pour qu'un premier ministre nommé. Donc, ça fait pratiquement 3 mois, il n'y a plus de gouvernement dans ce pays. Maintenant, est-ce qu'il y a une façon pour faire la paix aller? Même parce qu'il y a 2 gens pour la paix et ta tombé ou bien pour la paix, pas ta premier ministre nommé. Il faut la paix ta levé matin là pour le dire fatigué. Il a été à 3 reprises au niveau du Parlement. Donc, il y a eu des comportements inacceptables dans une démocratie. Bon, lui-même, pour débloquer la situation, il a décidé de démissionner. Ça, c'est son première considération. Deuxième considération, à la paix, il dit, bon, moi-même, pas démissionner. Parce que nous sommes haïtiens, même j'ai avec tout haïtien, je choisis comme premier ministre. Il faut que le peuple comme ça me pense. Moi-même, j'attends l'invitation de Gary Bodo, président de la Chambre des députés, à Bureau Lab dirigée. J'attends une 4e invitation du président Santab. Donc, pour me venir devant le Parlement, conformément à la Constitution, parce que nous sommes dans un état de droit. Maintenant, on vient de tomber dans un cas classique. Côté, on vient de voir l'autre et protagoniste ou bien l'autre acteur dans cette crise-là. Et probablement, c'est à la paix. Et l'OM a dit ça matin, on va dire innocent. C'est parce que par rapport à l'ensemble des formations qui viennent joindre moi, et pas quelle question pour la peine qui était consacrée entre la Kali. Par rapport à l'ensemble des formations, peut-être, je ne vais pas parler par là et à dire même de quoi il en est, parce que je crois que des consultations qui ont fait pour le gouvernement et toutes les options sont sur la table. Et dans toute rencontre, ça, on ne peut pas là. Je pense que c'est une erreur grave. Faut que je dis, moi-même, je parle de gouvernement de cohabitation, je parle d'un gouvernement de cohabitation sans la paix. Donc, ça, c'est Gary Bodo qui a fait analyse politique, okay. Qui mais, a gardé mais président Bodo, président Bodo, opposition. Président mm-hmm. Bodo, président Bodo. Mm-hmm. Président a parlé de discussion gain pour former un gouvernement. Mm-hmm. Et il n'a pas parlé de cohabitation, par contre, il parlait ça en privé avec nous. Et m'invite tout gagner un petit commentaire sous non mais parce que Jean président présenté situation président dit pays a bloqué depuis démission et premier ministre était jour au vote de censure de la majorité présidentielle à la Chambre des députés et c'est après censure là Jean constitution a dit qu'il était soumettre démission à président gagne mon capli comme quoi et c'est ta action député qui provoque censure là démission et blocage pays a. Et il y a des gens qui lisent comme ça. Bon, regardez, moi, je pense qu'il faut qu'on ne cherche pas midi à 14h. Je dis, il y a un gouvernement qui a été peut-être choisi dans des conditions que nous connaissons. Et au niveau du Parlement haïtien, il y a un gouvernement qui a été censuré. Donc, au niveau du palais, il y a des faucons, des extrémistes qui ont des intérêts qui empêchent le président de travailler. Comme on a vu un gouvernement censuré et pour tout ministre tourner, comme si pas gagne l'autre monde dans le pays, comme si pas gagne jeune dans le pays, comme si pas gagne femme dans le pays, pas gagne monde qui gagne diplôme, pas gagne monde qui gagne expérience, même s'il y a eu, par exemple, des ministres clés qui ont travaillé sur une politique publique, etc. Ce gouvernement a été censuré au Parlement. Président Bodo, si le président de la République a sorti ou arrêté avec PM la paix matin, soit fait. Bon. Et PM Lapin, pas besoin d'arrêter. PM Lapin, PM Matin. Donc, pour nouveau gouvernement, l'annoncé, même les annonces au nouveau cabinet. Bon, moi-même, parce que les conversations que nous avons avec le président, moi-même avec le président Cantave, et je veux dire, par rapport à ça, moi, qui a déroulé au bord de la mer, à mon humble avis, par rapport à constat, je fais 2 considérations là. Je fais une considération constitutionnelle, une considération qui chita sur la loi. Mais pas oublier tout, on a une crise aujourd'hui. Moi-même, pense dans le contexte politique actuel, même si le président cherche cohabitation, en pile acteur dit qu'il n'y a pas cohabité avec le président, mais que le président cherche le premier ministre dans la société civile. Qui pas forcément un PHTK, etc., ou bien un membre qui te fait campagne avec un bord électoral. Mm-hmm. Et bien avec un nouveau premier ministre, même qui a fait dialogue pour former un gouvernement. Ok. Président. Je ne sais pas quoi, président, qui a levé matin là,
pour son arrêté et avec l'autre gouvernement, ça t'a suicidé. Le président a deux choix, il va rien trop. Premier choix, le président a gagné, c'est sensibiliser ou bien parler avec la paix. Est-ce que la paix veut démissionner ou pas? Beaucoup parler à président pour me connaître, mais il y a des gens dans l'entourage, la paix qui dit la paix n'a pas démissionné, la paix n'a pas le parlement elle parce que comme citoyen, il a droit à la parole. Donc okay, ça a couru okay. En pile maintenant, dans le couloir. Président. Donc on a si, attends-moi, on a si M. Lapin décide de démissionner, à ce moment-là, le président va avoir l'autre choix. Maintenant, pour le président font l'autre arrêté, il faut entrer en négociation, en discussion avec les minorités, les majorités au niveau des deux points du Parlement. Il faut parler avec certains leaders politiques. Je dis à me penser, président, pas qu'à faire. On nouvel arrêté, si ce n'est pas un nouveau premier ministre. Ok, là, ok, ok. Moi, Dani, j'ai une question, mais avant, une question Dani avec le Sénat. Bon, variable, moi, pas mettre une analyse là. Nous partons de l'hypothèse A. Il dit, président, dans le cadre de formation de nouveau gouvernement, changer des membres du cabinet en tout ou en partie et garde le premier ministre Lapin. Maintenant, on dit, choix ça, t'as suicidé par rapport à la réalité ou est en bas. Mais en bas, parlement. Et Gomba Gaye Cap fait tic-tac. Par contre, si vous prenez en compte, c'est deuxième semaine de septembre. Et c'est deuxième lundi de septembre, bien sûr. Et pour le Sénat, c'est janvier. Qui automatiquement, pour le mener, parce qu'il nous semblait, ouais, élection, pas fait année ça, me dit semblait, vers la mise en jeu de acteurs politiques, tant coup et Cantave et autres, avec la caducité du Parlement. Est-ce que d'après vous, c'est faux conduit par le national ou le président pourrait être dans une analyse pour jouer la montre le temps pour lui dire nous, bon, monsieur Sahom, mettez-vous au jeu et dans le game. Est-ce que son bail est dans l'ordre du possible ou de l'impossible? Bon, et en Haïti, nous, c'est tout pareil. Et d'abord, il faut nous dire que le deuxième lundi de septembre, député au bal en vacances, il y a une convocation. À ce moment-là, il y a un travail avec la commission. À l'extraordinaire. Non, définitivement, mais la commission au travail en permanence, ça tellement m'a tout, Parlement, ça, si pas rien d'élection faite dans la fin d'année, Parlement a dysfonctionné à partir du deuxième lundi du mois de janvier à minuit. À minuit, en minute, il n'y a plus de chambre des députés. En janvier, on dit? Oui, en janvier, exactement. Même référence, là, qui fait ça en janvier? Non, mais regardez, ma la constitution, là, je vais changer l'article directement. Là, plutôt que le Parlement, chambre des députés a élu pour 4 ans. OK? Donc, le Sénat et la chambre des députés, ils ont formé une législature. Donc, maintenant, la 50e législature prend fin au deuxième lundi du mois de janvier 2020. Sénat. À ce moment-là, le Sénat sera amputé de membres, pour certains de 20 membres, donc, mais quand même, le Sénat a amputé. Ok, deuxième lundi de septembre. Comment? Deuxième lundi de septembre, dans le calendrier de la Chambre des députés. Deuxième lundi de septembre, le Parlement, et au niveau de la Chambre des députés, n'a pas entré dans la dernière vacance. Et dans la vacance, c'est sous convocation extraordinaire. De qui? De l'exécutif. Ok, maintenant, si l'exécutif a décidé de quitter nos vacances net. Cela ne met pas fin automatiquement à nos mandats. Et l'exécutif ne pourra pas, à ce moment-là, diriger par décret ou bien, etc. Donc le Parlement sera encore là et il sera porté avec le Parlement. Est-ce que le président Gonépé crée le temps dans le domaine de nous-mêmes, nous Gonépé, selon ça, c'est mon analyse qui s'est mise en accusation et non menée. Est-ce que contrairement à ce que Mounda a pensé, au niveau même de allier le président Gang, une espèce de petite tension qui est mettée comme ça. Et président bon, moi-même, comme je dis ça, nous-mêmes, au niveau Chambre des députés, excusez-moi, non seulement les gens qui sont en minorité, les gens qui sont en majorité, nous pas analysé le problème pays par rapport à la conjoncture politique. Là. Analyser les problèmes pays en fonction des devoirs nous gagnons par rapport à citoyens. Je dis, il faut un gouvernement à ce pays. Je dis, et le parler quelque part avait versé dans la provocation. Donc, si on a parlé de dialogue, on a parlé de dégel, on a parlé de calme, etc., ce qu'il faut au pays aujourd'hui,
Et c'est un gouvernement d'exception. Je dis, pendant la parler, le pays n'est pas géré dans différents secteurs de la vie nationale. Que ce soit vous, il suffit que vous marchiez dans la rue pour un pays à pas gérer. Donc, il suffit que vous allez dans les hôpitaux pour un pays à pas gérer. Donc, il y a même des parties du territoire que l'État va contrôler. Donc, je dis à ce qu'il faut faire au-delà des ambitions politiques. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai toujours priorisé les intérêts. Il y a trois intérêts. Il y a les intérêts des deux groupes. Intérêt groupe 4, intérêt fusion OPL, intérêt PHTK, intérêt bloc et politique, etc. Il y a les intérêts individuels. C'est des gens qui ont fait politique là pour peut-être accompli et destin ou bien rendre le peuple en service ou bien et gérer des bagages personnels. Et troisièmement, il y a les intérêts nationaux. Je dis à nos jeunesse désespérée, qui a couru dans quatre coins de casino, que ce soit par la mer, pour le Bahamas, le Miami, ou bien le Chili, ou bien quitter le pays à la République dominicaine après une humiliation. Je dis à nos grands élus qui ont nagé en plein déni de la réalité. Nous pensons que les luttes pour le pouvoir, il y a toujours existé, mais en fait, à travers un cadre institutionnel, qui c'est les élections. Ok, Donc, Jean-Pierre, je dis à la président. crise politique qui crée, pas rien qui empêche que nous-mêmes, nous sommes sous table là. Et moi-même, je dis ça dernièrement. J'ai cherché petit à l'école et non, j'ai gagné dans les conseils de bagaille. Mais moi-même, moi, qui est du type, moi, petit mon opposition, moi, petit mon pouvoir, et j'ai appris à manger sous table, etc. Pour que ça, nous pas chita, nous parler, et puis nous Ok. faisons un accord pour le pays. Maintenant, Ok, Jean-Daniel. c'est justement à ce titre, Président et Bodo, et vous parlez de contexte actuel. Contexte actuel, là, c'est qui ça? C'est depuis 9 juin, il y a des dizaines de milliers de monde qui sont dans la rue, pour la presse, pour la ville de professeur, qui a demandé des pouvoirs président de la République, là. Il y a plusieurs secteurs, et secteurs religieux, secteurs privés, et d'autres secteurs dans le pays, à tout, qui demandaient pour président, et même les démissionner, pour retirer tête liste sous pouvoir, dans le palais national. Est-ce que les ont fait promotion pour formation gouvernement de cohabitation, ou a dit que le président, lui-même, n'est pas capable de partir, genre, en plus, le monde a demandé ça? Bon, moi-même, je me disais pareil. Et l'étape très facile pour des trois citoyens et mettre tête ensemble, et puis bon, et je sors une note de presse, et puis je jette ton président. L'étape trop facile, ça ne fait pas oublier. Nous, nos processus constitutionnels, nos processus institutionnels, pas grand-chose à empêcher que sous nos discussions politiques, quand on a fait une négociation politique, par rapport à la conjoncture actuelle, à la fin de l'année, pas de chambre des députés. Donc, le président va être obligé de diriger par décret dans un contexte politique assez difficile. Donc, je dis, hein, nous cachitons sur la table de discussion. Si nous disons, nous parlons d'une élection générale plutôt, tout acteur politique d'accord, président de la République l'a voulu porter le garant dans des démarches comme ça, pour dire, bon, par un problème, après écouter, madame, nous allons entrer dans la révision constitutionnelle tout de suite, ou bien l'autre constitution, nous allons entrer dans la réforme de l'État, nous allons former une commission, côté nous apprend des mondes dans la société civile non politisée, par exemple, et au Capran, des institutions dans la société civile, là, bien fait personnalité, et puis bon, commission savoir-travail pour prendre une proposition sur la constitution, etc. Donc, moi-même, je pense que Haïti est une bougie qui s'éteint. Son pays qui a mouru, son pays qui a éteint. Et, Mamzou, ça qu'a fait dans l'arrière là, Mamzou, il y a de bonnes raisons, notamment question pétro-caribéen. Ça fait pratiquement 15 mois depuis que qu'on juge son dossier, personne n'est inquiété. Donc, c'est soit coup de compte, abaillement, ou bien. Document coup de compte de l'analyser, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est l'usage du faux, etc. Même besoin qu'on ait. Mais pour mal qu'on ait, il faut me connaître devant les tribunaux. Mais dans ce contexte politique actuel, non enquête, non procès, qui m'a dit un pile bras institutionnel, qui m'a dit pour travailler avec Interpol, qui m'a dit. Donc, je pense que je dis, il faut un consensus autour de ce procès pour que l'IPAP arrête un procès comme ça, ou là, qui est dans mon juge n'a pas même des machines pour la caille, je n'ai pas touché. Donc, je n'ai pas même qu'à prendre des décisions, je même qu'à faire long grand nez. On a parlé de 12 millions, 20 millions. Maintenant, encore, ma plan article dans le nouvel disque, on a parlé de dragage, de bébé pour la presse, et qui se facture, etc. Donc, là, on a parlé de gros causes. On n'est pas qu'à marcher dans la rue, attendre qu'on tisse tout là. On dit, maman,
qu'on est à la vous besoin de faire gros dossier ça. Donc même pas c'est fort bon consensus. Même avec le CSPJ, nous avons un collège de juges. Donc nous on essaie de se 15, 20 juges qui choisissent par hasard, donc aussi suspense par un, ils vont essayer. Parce que cette société est tellement politisée. Président Bodo, président Bodo. Président Bodo, question n'a aller dans même sens avec le Sénat. Donc est-ce que si nous regardons depuis 6-7 juillet 2018, donc revendica, principale revendication, ce n'est pas en formation au gouvernement, mais c'est le départ président Jovenel Moïse. Est-ce que proposer formation au gouvernement de cohabitation, ce n'est pas tout simplement une erreur de jugement ou bien dans une espèce de déni? Et est-ce que du coup, tout nous pas risqué de passer à côté de solution crise là et avec. Quand nous arrivons à former ce gouvernement? La crise, ça, maintenant, quand nous arrivons là, son crise qui est cumulée. Donc, c'est ensemble de mauvais choix que nous faisons depuis 30 ans dans le pays. Son ensemble d'occasions ratées. Tant que Petro Caribe, c'est une occasion ratée. Je songe et génération parmi nous fait tout le temps la bataille pour l'autonomie de l'université, etc. Et puis 2006-2008, nous allons à l'université encore Petro Caribe paraît. Donc, cherchant dans le pays pour 4,2 milliards à parler, qui gagne 2 milliards de projets qu'à vous dire, car ils pourraient être sur l'université. Moi-même, parce qu'il y a eu, comme si nous avons un manque de vision. On vision de coulotte de la part de l'élite, même par rapport à choix projet, on beaucoup revenir dans la question de corruption et à parler, parce que jusqu'à présent, moi-même, c'est des perceptions de corruption, beaucoup au tribunal qui tranchait, mais regardez dans le choix projet, ouais. Donc, je dis à moi-même, pense que j'en dis, depuis pratiquement un an, il y a une stabilité politique dans le pays. Donc, il faut qu'acteurs politiques aient entendu, au monde qui parle de politique dans le pays, qui a touché 20 000 gouttes, je dis, de 6-7 juillet, regardez pour comment la dépréciation a allé. Son dépréciation qui ont tendance à la hausse. Côté aujourd'hui, on a 20 000 gouttes dans le monde. Donc 20 000 gouttes, ça, l'école là va baisser. Le transport en commun va baisser. Conseil des responsabilités au gain. Et on a en Haïti, c'est famille élargie. Ce n'est pas madame petite, c'est maman, c'est frère, c'est tonton, c'est tout le monde qui va travailler. Donc je dis à son peuple cap. Disparaître, son peuple cap mouille, ou même qui journaliste matin, cap tout. Président Bodo, le peuple ça a dit la disparaître, il va quoi dans la présidence encore? Soit répondre. Bon, moi-même, je pense que je dis, la population, jusqu'à présent, toute manifestation qui est faite, c'était des manifestations citoyennes, cap bataille pour de meilleures conditions de vie dans un pays, cap bataille pour. Et les politiques publiques qui prennent sur l'économie pour gérer l'insécurité et éventuellement pour faire la promotion de lutte contre la corruption dans le pays pour garantir la transparence et la réduction des comptes. Depuis quelques temps, on connaît, depuis l'élection de finie dans le pays, ici, le conseil est mauvais perdant. On n'a jamais perdu l'élection. On est qui candidat au Sénat dans le Sud-Est. L'Arèche fait 41 000 votes. En plus, le sénateur L'Arèche, là, le contesté, il gagne dans le premier tour. Donc, c'est un pays de malades. Donc, depuis l'élection, ça a été fini, faite, là, il y a annulé le candidat Jovenel Moïse. Hein? Donc, c'est des gens qui étaient toujours mandé pour Jovenel aller. Donc, discours, ça, pour moi-même, il n'a pas changé. Sauf okay. Que. Mon qui m'a dit, il vient rencontrer avec des revendications populaires. Et je dis, je suis d'accord qu'il y a une partie de la population, là, je dis, hein, qui est en conflit direct avec le chef de l'État. Mais qu'on s'a tout pour l'autre partie de la population. Tout le problème qui gagne, c'est que va y avoir un référendum dans la Constitution. Non, avant de prendre ça. Président Bodo, bon leadership collectif avec une majorité présidentielle qui supporte l'action et de cette administration qui est lui-même tout, qui a sa part de responsabilité dans ce que nous vivons. Parce que l'État est un tout et ce sont ses pouvoirs qui l'engage, bien que l'histoire retient souvent et toujours presque la responsabilité du président. Et Daniel Sotevo, que le 6-7, c'est le tournant et dans le rapport certains mounes ou en pile mounes dans la population qui est avec le président. 6-7 rivé après mesure sur la dédollarisation le 1er mars qui provoquait depuis lors et la dépréciation de la goutte janoya, bien que il y ait une école structurelle à dépréciation. Mais de manière conjoncturelle depuis lors, cadastrant est accéléré à cause de mesures 1er mars. Là. Et
trop d'un coup et tout d'un coup, augmentation prix produit pétrolier yo, a donné la déflagration du 6 et 7 juillet. Et le 17 octobre, c'est la première grosse manifestation contre cette administration. Des dizaines de milliers de monde dans la rue, dans Port-au-Prince et de l'autre côté. À l'époque, moun yo te gen une revendication partagée. Yo vle la lumière faite sur rapport sur Petro-Caribé. Te gon parti dans moun yo à l'époque qui te commence à parler de démission. Mais ce n'était pas unanime. Il y a eu les événements de novembre. Il y a eu les événements de 2018. Il y a eu les événements de février 2019. Il y a eu les manifestations du 9 juin, côté des dizaines de milliers de monde prend la rue de Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, dans toute ville du pays, cette fois avec une revendication unanime, supportée par une frange très large de la société, qui, il y a un communiqué de presse pour exprimer son façon de communiquer, que c'est l'Église catholique qui font appel au changement, parce que le peuple a mouru, c'est leur constat, et il y a d'autres confessions religieuses qui allaient dans le même sens. Le Forum économique du secteur privé, après le 6-7, qui te dit que gon défaillance de leadership du président qui fait que nous te gen événement ça avec conséquences li finalement toute association en tout cas moi majorité association dans forum dans signé note ça côté on dit explicitement le forum ce sont Amcham a dit chambre de commerce c'est le milieu des affaires c'est d'accord dire comme ça yo font note yo dit que le président fait partie du problème et non de la solution si me comprenons bien président Bodo cet ensemble d'événements qui fragilise le président. Cet ensemble de prises de position. Cet ensemble de prises de position également. C'est des simples communiqués, c'est des gens qui ont besoin de pouvoir, qui veulent jeter le président, ou bien comment on analyse le, et qui gravité le gain qui fait que le move qu'après fait là, je dis à là, c'est des moves, selon ça, c'est des gens qui ont de la dernière chance et qui mènent nous et sur des sentiers, et qui sont heureux et qui sont heureux et malheureux. Moi, vite en dos sous cette succession d'événements, Gary Bodo. Bon, merci pour l'opportunité de savoir. Ma petite encore, peut-être est-ce que au niveau de tous ces secteurs, il y a eu une chance à Jovenel Moïse. Moi-même, je comprends très bien la jeunesse de ce pays qui a mobilisé, donc qui n'a pas d'opportunité et qui tendait tout comme ça à dépenser dans Petro-Caribé. Même j'en avais tout l'autre, nous t'avons aimé qu'on est. Mais maintenant, il y a aussi des agendas politiques. Quelle chance pour jeunesse à Tébaï, par exemple? Bon exemple. Non, attends. Oui. On va en succession d'événements, il faut me donner. Non, on tire là. On dit que c'est pas de chance. On est qui pas de travail, qui levé, qui dépend de maman. Et on est qui a de travail, qui a le pouvoir d'achat. La fond, on dit le papa et le président Moïse ont chance. Qui chance, par exemple? Non, pas de parole. On dit que c'est secteur qui pas de chance. Je comprends. Expliquez, clarifiez-moi. Je comprends la revendication de la jeunesse. Revendication de monde qui a travaillé, qui a perdu le pouvoir d'achat, etc. Mais il y a certains secteurs maintenant qui ont quitté Batoua ou bien qui ont repositionné au bon côté contestation. Moi-même, j'ai toujours eu beaucoup de différends avec Jovenel Moïse. Il ne faut pas oublier que j'ai été président de la Chambre des députés grâce à mes pères. J'ai été combattu avec la dernière rigueur. C'est comme si c'était un Batoua. Et Cassine Nel ou bien Antonio Cherami, qui est le président de la Chambre des députés. Donc, il y a un combat maintenant pour les gens qui sont en opposition radicale. Donc, ça veut dire que je n'ai pas mis un porte-parole qui peut avoir une parole pour Jovenel. Mais je dis à moi-même, le problème avec le président, il est toujours signifié, que ce soit en privé, que ce soit en public. Donc, le président n'a pas su prendre des décisions. Le président s'est mis avec le secteur privé. Pour faire des bagailles. Et puis je dis, nous venons au Carrefour, côté, pas de croissance, pas de richesse, pas de rien créé. Un bon exemple. Je n'ai rien contre des entrepreneurs de mon pays, etc. Je dis, à sous caravane, changement seulement, président Jovenel Moïse fait. Président, il doit avoir une bonne volonté, il doit avoir des matériels pour l'équipe l'État, etc. Mais maintenant, en privilégiant, des acteurs du secteur privé. On prend Kouta, par exemple, qui font bus, qui produit des matériels, etc. Pas d'aucune disposition qui prend à travers l'ONA, il n'y a aucune disposition qui prend à travers le secteur financier. Pour t'en permettre que, voilà quelqu'un, un jeune dans le département du Nord-Ouest, qui produit un matériel, qui fait des bus, etc. Puis toi, acheter l'ONA, mais des concessionnaires, et puis je dis, regardez,
avec la caravane, le président achète un paquet de matériel. Donc, un paquet de entrepreneurs, aujourd'hui, en d'un pays, qui te guette en prenant crédit à la banque, qui achète un D8, qui achète un D4, qui achète un Bobcat, qui achète des matériels pour mettre en location, ou bien pour le travail, pour rejoindre des petits contrats, etc. Donc, l'État pratiquement vient entrer en compétition directe avec des entrepreneurs. Donc, dans tous les pays, il y a tout le matériel. Donc, c'est un choix. Mais maintenant, je ne comprends pas. Équipement lourd, l'État a acheté. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'acheter. Bon, pour moi-même, et moi-même, parce que ça a été une erreur, ça a 158 millions de dollars américains, je veux dire, là, dans le système, dans tout est split avec des entrepreneurs qui sont de la faculté des sciences, des jeunes qui ont fait business, qui ont innovation, etc. Je veux dire, vous êtes capable. Bay plus moun opportunité. Je dis ensemble de moun qui gen compagnie de construction, qui te gen 20 moun, 30 moun kap travay kon sa. Yo fermé. Donc il y a eu des choix qu'on vient pas me dire au niveau du secteur privé que je dis la majorité. Non, mais ça veut dire la justificatif qui était à l'époque, c'est pour renforcer les capacités des directions départementales pour faire des travaux en régie, bon, c'est ce qui était dit. Attends une seconde. Quand ils ont présenté l'inventaire des équipements et leurs besoins, et je t'ai montré que y a un besoin pour ça. Et pour vous, c'est pas des investissements nécessaires. Moi-même, c'est des investissements. Je vous dis à là parce que matériel ça va faut payer. Mon y a des décrets dans mais après à 10 dollars américains. Yo participer tout dans dépréciation tout ça. Pendant ce temps, ensemble de monde qui compte une entreprise que je connais et Delmar et les associations des ingénieurs etc. C'est pas des dollarisations, hein, c'est pas déficit budgétaire ou record là qui c'est des ça tout la donne. OK. Ça c'est responsabilité de l'exécutif et aussi et le parlement dans son travail de contrôle. Tout ça m'a dit. OK. Donc nous avons 3 minutes pour passer ensemble. S'il vous plaît. Juste bon 3 minutes. Tout ça m'a dit là, ce sont des choix de politique publique. Le parlement est là pour contrôler, le parlement pas là pour empêcher au fond contrat. Il a regardé est-ce qu'il y a une corruption dans la façon pour attribuer le contrat. Mais les politiques publiques, je suis désolé, sont définies à l'intérieur du gouvernement. Donc, dans le contexte politique, nous avons toute succession d'événements, je dis à passer. Moi-même, je continue avec elle. Moi, je pense que Jovenel Moïse fait partie des solutions. Même s'il t'a écouté Mandal, nous avons une élection générale l'année prochaine, ou bien l'année qui suivre là. Mais je dis, c'est quelqu'un qui a été aux élections. Je dis, deux, trois mouns bacanés qui étaient dans le pays et pour faire manifestation. Combien de manifestations? Sors les deux, trois mouns, non. Sors les deux, trois mouns. Bon, monsieur Ko, Alphonse. Oui. Combien de manifestations qui ont été dans le pays? Bon, on prend hypothèse. Non, l'autre dit deux, trois mouns. Président Bodo, président Bodo, de manière factuelle, même si le journalisme m'a gardé fait. Le 17. Et manifestation te gagne dans le pays, c'est pas de toi, mon. Non, attends. Je ne vais pas parler de l'initiateur. Ah, non, ok. Mais maintenant, le. C'est des dizaines de milliers de monde. Donc, mon, ça va pas de toi, mon. Non, je ne vais pas parler de l'initiateur. Ah, ok. Je dis à mon, je vais sortir dans la rue pour continuer. Je vais sortir dans la rue pour continuer. Si l'opposition n'a pas fait appel, si pas qu'il y a des monde au niveau du secteur privé qui est intégré, etc. Si pas des gens dans la société civile, des gens dans les droits humains, etc. Donc, ces gens-là font partie de l'élite. Pourquoi ne pas. Donc, ça veut dire que les gens qui sont dans la rue, ils n'ont pas conscience assez pour sortir. Il faut que les gens qui demandent de sortir. Bon, je ne vais pas parler de conscience. En manifestation, il faut écrire la police. Moi, je parle avec un militant politique là. Son page dans la vie, moi, je parle là. Je ne vais pas parler de sortir comme ça. Il y a des groupes organisés qui fait appel à mobilisation, population à répondre. Ok, ok, nous allons finir là. 8 heures après arriver. 8 heures après arriver. En vous écoutant, si je dis bêtises, corrigez-moi. Et, moun qui prend la rue, et qui a une revendication de Yovine Pipov, et président par rapport à Petro-Caribé, et l'autre, pour qu'on paquette l'autre monde, maintenant, moun qui a eu cap dit, président Yovine Pigangou, et Yopak Wenali, démissionné, code. Et pour moun ki pile moun ki dévoré comme Petro-Caribé et l'autre l'agent public yo soit di moun sa yo non président pa démissionné tant pour l'élection c'est soit di yo regardez moi m'a pas di ça la démission est un acte personnel si c'est moi qui t'en parler à jodia ou bien quand ça m'a fait toi t'as fait moi même si c'est moi qui t'en parler à jodia m'ta prier
d'après les nouveaux leaders qui ont émergé, d'après chita avec les Petro Challenger, d'après chita avec des mondes métiers, c'est ça pendant 30 ans. D'après chita avec des jeunes véritablement qui ont émergé, d'après chita avec la société civile, et puis d'après un premier ministre de la société civile ou de l'opposition qui voudrait, et à ce moment-là, d'après annoncé l'élection générale en 2020. Ok, et ok, puis, c'est ça tout à fait. Mais jeune, ça qui parle avec nous, en tout cas, certains de nous, notamment nous, pas dormi, et Mme Charlie et Mme Solange, pour me citer ça seulement. Et ils ont dit bye bye Nicole pour président. C'est ça leur position. Ils ont dit démission, et qui que ça soit comment, démission. Bon, c'est leur position. Maintenant, de toute façon, je me félicite, mais il y a d'autres sons de cloche tournée en vie nationale. Là. Ok. Côté Gendé Moun aujourd'hui, regardez, où est Jean-Pierre là, même tout Jean-Pierre là, dis-moi. Tout le monde pas fait. Je dis à PIA, c'était CAS qui est dans le plateau central, je dis à Willow Joseph, qui a mis des milliers de monde dans la règle, son sénateur populaire va dans le départ Jovenel Moïse, qui contrôle le département. Rony Célestin, deuxième sénateur populaire, contrôle le département, va dans le départ Jovenel Moïse. J'ai baladin. Donc, c'est n'a pas divisé PIA, département par département. Et puis, quand on a là, on a fait un match final là, mais ça doit être comme un bagage qui n'est pas bon. Même si c'est ça que je me dis. Tout acteur chita, je dis à Hippolyte dans les organes, je dis à des milliers de monde qui partisans. Donc chaque monde, chaque acteur politique, chaque magistrat, chaque député, je dis à qui gagne l'autre position, qui pas forcément position dominante, il y a des monde qui partisans. Si nous ne pas entrer dans le dialogue, nous ne pas entrer dans l'affrontement, nous ne pas déboucher sur des bagailles qui sont regrettables. Donc je dis à ça, c'est dialogue. Jovenel Moïse, je dis à Patal pour un président. Ou bien pas dans la métier président. Si une discussion politique qui fait, président décide, il dit bon, après écoutez, mandat, il y a des défis, je dis, à seul gens pour résoudre, c'est non vacuum politique, parlement dysfonctionnel. Si le président veut, l'Ichita dit bon, monsieur, vous me direz, et j'en prise là et là, manifestation à répétition, quand je nous consensus sur le procès Petro-Caribé avec un procès non politisé, etc. Okay. Conseil des problèmes sont résolus. Dépréciation pour la non capable de tacler l'instabilité politique. Okay. Bon, moi-même, ce que je veux, c'est une négociation politique, m'écouter, madame, etc. Mais ce sera son choix. Merci. Mais je dis, il a un mandat, ce n'est pas à moi de démissionner ou bien avec un citoyen quelconque. Il a été aux élections. Merci, nous président. L'imiter. Merci un pile pour longue discussion, ça ne fait là. Et passons bonne journée.